Bonsoir, bienvenue à vous tous, c'est le journal et on démarre avec les titres. Nous sommes à un peu plus de 24 heures de la Noël, mais le Père Noël est descendu un peu plus tôt ce jeudi au palais présidentiel. 3000 enfants ont été invités pour vivre une journée féerique à l'initiative de la Fondation Children of Africa pour son traditionnel arbre de Noël. Le Père Noël et la Première Dame Dominique Ouattara leur ont offert plusieurs cadeaux. Incursion dans l'univers des tout-petits, comment vivent-ils ces moments de joie, parfois intenses, avec ces espaces de jeu et de détente qui mettent tout en œuvre. Abidjan vibre déjà et la magie de Noël est palpable. Nos reporters au cœur de la ville nous comptent l'ambiance dans notre dossier Vie d'ici. Et puis la ville de Mans se dote d'un nouveau centre hospitalier régional CHR d'une superficie de 7 hectares pour un coût de plus de 27 milliards de francs CFA. L'ouvrage a été inauguré par le Premier ministre Patrick Hachy. Bienvenue à vous tous pour son traditionnel arbre de Noël. La Fondation Children of Africa a invité 3000 enfants hier au palais présidentiel pour une journée féerique. Le Père Noël et la Première Dame Dominique Ouattara leur ont offert cadeaux, prestations artistiques, clowns, espaces de jeu, goûter et bien d'autres. On voit cela avec Jérôme Kofi Aboula. Et revoilà Noël, le moment d'offrir des présents aux tout-petits aussi. Cette année, comme les années passées, la sollicitude de la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, envers les enfants, ne fait aucunement défaut. Ce jeudi au palais présidentiel, un arbre de Noël de la part de la présidente de Children of Africa leur est dressé. Pour la distribution des cadeaux à cette occasion, c'est du ciel que le Père Noël fait son apparition. Au total, ils sont au nombre de 3000, les enfants venus des quatre coins d'Abidjan qui repartent les mains chargées. En leur nom, la petite Farida Gbané pour dire merci à leur bienfaitrice. Aujourd'hui, nous sommes comblés de bonheur et nous repartirons les bras chargés de grands cadeaux. Maman Dominique, grâce à vous, nous découvrons aujourd'hui le magnifique palais présidentiel et son immense jardin. Vous êtes une maman en or qui apporte toujours la joie et le réconfort dans nos cœurs. Merci pour tout ce que vous faites pour nous, pour tous les enfants de Côte d'Ivoire. Modadamo, Nanzinho, Iniche, Ayoka. Que Dieu vous garde et vous bénisse, vous et notre papa, le président Alassane Ouattara, pour le bonheur des enfants. En organisant cet arbre de Noël pour ses enfants, la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, indique clairement qu'elle n'entend pas se départir de ce qui est pour elle comme une tradition. Mes chers enfants, comme vous, j'affectionne particulièrement la période de Noël car elle est le symbole de l'amour, de la joie et du partage. C'est le moment où les enfants reçoivent de nombreux cadeaux et passent des moments inoubliables avec leur famille. C'est pour cette raison que chaque année, nous organisons des arbres de Noël pour les enfants afin de permettre à tout le monde de passer un Noël chaleureux et festif. Il s'agit d'un moment exceptionnel durant lequel chacun peut s'amuser, rire, danser, manger et recevoir des cadeaux dans les jardins du palais présidentiel, transformé pour l'occasion en un immense parc d'attractions. Mes chers enfants, cette journée a été organisée pour vous et je souhaite que chacun de vous en profite pleinement. Toutes les attractions, les jeux et les cadeaux que vous avez vus sont pour vous faire plaisir. Alors amusez-vous et gardez de beaux souvenirs que vous pourrez raconter à vos amis et que vous n'oublierez jamais. Cérémonie tout à fait festive, soutenue par des artistes de renom. Kérosène, Magic System, Fally Ipupa. Et ce n'est pas tout. La Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, promet d'en faire autant pour tous les enfants de Côte d'Ivoire, avec des arbres de Noël éclatés pour la distribution de plus de 12 000 cadeaux.
Ambiance de Noël dans les grandes surfaces, les espaces de jeu et de détente. Nos reporters plantent le décor dans ce dossier. Vous allez le voir, tous les ingrédients sont réunis pour faire de Noël un jour inoubliable. Couleurs, cantiques, cadeaux, Père Noël ou clone. Noël dans l'univers magique des enfants. Le dossier vide ici de ce soir, signé Khalil Diomandé, Sifora Zeghi et Serge Collier. Bienvenue dans l'univers magique de Noël. Noël et son monde des rêves. Le Père Noël, grandeur nature, des prototypes d'ours polaires et de bisounours, tout ce qu'il faut pour enchanter les tout-petits. Nous sommes dans une grande surface d'Abidjan. Tout est aux couleurs de Noël. Les enfants ont les étoiles plein les yeux. Les super-héros, Spider-Man, Superman, Avengers et autres personnages de Marvel sont au rendez-vous. Je suis content d'être ici. C'est un bel univers. Il y a tous les cadeaux qu'on veut. Berekia, élève en classe de CP2, a obtenu d'excellents résultats. Elle a droit à des moments d'évasion offerts par ses grands-parents. On l'aide à rentrer dans son monde parce que les enfants, c'est le jeu. À ce stade de développement, l'enfant a besoin de jouer. Et il faut l'accompagner. Les plus chanceux ont le bonheur de rencontrer, avant l'heure, le Père Noël en personne. Des cadeaux, puis des instants photos pour immortaliser le moment. Ici, c'est l'univers des rêves où tous les rêves se réalisent. Et on peut avoir tout ce qu'on veut comme les cadeaux des rêves. Même le Père Noël, même est gentil, nous donne des bonbons. On vient, les enfants, ils voient le Père Noël donne des cadeaux. C'est plus réaliste, on vit le Père Noël en même temps. C'est amusant et bon, nous les parents, ça nous met à l'aise quoi. Dans les magasins, le Père Noël joue un rôle de premier plan. Le Père Noël, c'est ce personnage-là qui est capable de créer la magie sur l'enfant. Et donc, la présence du Père Noël est quelque chose qui les fortifie dans leur imagination. Ça donne de l'attractivité, ça met de l'ambiance. Quand ils viennent ici, les enfants, ils retournent à l'école, ils disent « J'ai vu le Père Noël, il m'a donné ceci, il m'a donné cela. » Et ça attire aussi d'autres enfants. La magie de Noël opère également chez les commerçantes d'accessoires installées à proximité du magasin. Les gens, quand ils finissent de faire les achats à l'intérieur, ils sortent, ils viennent emballer. On peut avoir 50 euros plus. Pendant la Noël, il n'y a pas que le Père Noël et les jouets pour combler les attentes des tout-petits. Les clowns jouent aussi leur partition. On a un arbre de Noël à animer et nous sommes en train de nous préparer. Vous voyez bien que nous avons étalé pêle-mêle notre arsenal. Avant de monter sur scène, les Snoopies se préparent minutieusement. Le choix de l'accoutrement, de la coiffure et les couleurs du maquillage ne sont pas fortuits. La couleur est importante, ça attire l'observation de l'enfant et puis ça le fait rapprocher de toi. Quand tu es bien habillé, les couleurs sont éclatantes, les enfants s'approchent facilement de toi. Après les préparatifs, place au spectacle. Durant plus de 2 heures, les chants, les grimaces et jeux comiques sont passés en revue. Les tout-petits ne boudent pas leur plaisir. J'apprécie le fait que les clowns viennent nous égayer. J'ai joué à la statue musicale et j'ai gagné mon cadeau. Quand on finit une animation, quand le promoteur ou bien celui qui a commandé le spectacle vous dit vraiment, c'est beau, c'est bon. Et puis les enfants sont contents, ils vont à la maison, vraiment. C'est notre grande satisfaction. Changement de lieu, même atmosphère à la Riviera Mputu avec Tony le clown et son binôme. Il n'y a qu'une seule recette pour arracher des rires et égayer ses bambins, s'inviter dans leur monde et se glisser dans leur peau. Ce qui est plus important pour nous, c'est la symbiose qu'on crée avec les enfants en fait. On amène les enfants à être un avec nous. On s'amuse très bien avec les clowns. Je trouve les clowns très rigolos.
La Noël est l'événement de l'année le plus magique qui fait rêver les tout-petits, un moment durant lequel ils sont choyés et au centre de toutes les attentions. Encore quelques jours pour profiter de ces moments féeriques et pleins de bonheur pour les enfants. C'était Noël dans l'univers magique des enfants, le dossier vide ici. Autre volet de l'actualité, c'est un phénomène qui a fait parler de lui ces derniers temps, les congés anticipés. Après avoir pris des mesures, les ministres en charge de la jeunesse et de l'éducation nationale dressent le bilan. C'est ce vendredi au lycée moderne de Cocody qui a abrité la cérémonie de clôture de l'opération de sensibilisation zéro congé anticipé. Serge Pacom Didi. Ambiance festive au sein du lycée moderne de Cocody. Les élèves, heureux de recevoir au sein de leur établissement d'illustres convives, notamment les ministres Mamadou Touré et Maria Toukoné, venus traduire les félicitations du gouvernement pour le respect des dates de départ en congé de Noël. Cela dans le cadre de l'opération Zéro Congé Anticipé, qui a permis de sensibiliser cette année les élèves, dont ceux du lycée moderne de Cocody. Les meilleurs élèves de l'établissement sont primés pour davantage les exhorter à dire non à la violence à l'approche des congés scolaires. Nous, élèves du lycée moderne de Cocody, sommes restés en classe jusqu'à ce jour. Nous avons commencé la mission depuis la rentrée. Nous avons poursuivi en action concrète sur le terrain. Voici les résultats. Vos enfants ont été maintenus et nous sommes là. Ce 23, jusqu'à 18h, on fermera l'école. À l'initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, cette campagne a sillonné 45 établissements scolaires d'Abidjan et 208 établissements de l'intérieur du pays. Lorsqu'on s'est parlé ici, Madame la ministre, les élèves ont pris un engagement. L'engagement de ne pas avoir de congés anticipés ici, au lycée moderne donc de Cocody. Et ce jour-là, je leur ai dit que si l'engagement était respecté, nous allons venir ici avec les artistes de leur choix. On peut considérer donc que le contrat a été respecté. Je voudrais féliciter Madame le proviseur et l'ensemble des enseignants, les encadreurs pour le travail remarquable qui a été fait. Notre hymne national dit « Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle ». Le pays nous appelle dans la discipline. Le pays nous appelle dans l'union. Le pays nous appelle dans le travail. L'année dernière, à pareil moment, certains de vos amis étaient à Bébresso. À la rentrée, on a dit zéro congé anticipé. Mais c'était sans compter avec la hauteur, la grandeur d'esprit des élèves de Côte d'Ivoire qui ont compris que le travail d'abord, le travail avant tout. Merci d'avoir respecté le canton horaire. À l'instar des élèves du lycée moderne de Cocody, les meilleurs élèves des lycées modernes de Kumasi, Harris Dadjamé et Gaston de Benjaville sont également primés. Plusieurs artistes en vogue ont égayé les élèves qui partent heureux en congé de Noël à la date prescrite. Le Premier ministre Patrick Achi inaugure le nouveau centre hospitalier régional CHR de la ville de Mans. L'établissement, d'une superficie de 7 hectares, pour un coût de 27,6 milliards de francs CFA. Cet acte de développement s'inscrit dans un champ d'action global à l'échelle nationale, portant sur la modernisation du système sanitaire national et qui mobilise 1 milliards de francs CFA. Franck Quadio, reportage. La bâtisse s'élève, imposante. Comme Sésame, le nouveau centre hospitalier régional du Mans tranche dans le décor. Et ce jeudi après-midi sonne comme un moment particulier pour les populations, autorités, élus et cadres du Tonkwi réunis autour du Premier ministre Patrick Achi inaugurant l'édifice. Le 24 octobre 2019, que son Excellence, M. Amadou Bon Koulibaly, alors Premier ministre, procéda à la pose de la première pierre de cette infrastructure sanitaire de très haut plateau technique que nous inaugurons aujourd'hui. Tout en m'inclinant devant la mémoire de ce grand homme, je voudrais, au nom des populations de Mans et au mien propre, profiter de la solennité de cette cérémonie pour lui témoigner notre infinie gratitude et formuler nos voeux de prière pour le repos de son âme. Excellence, Monsieur le Premier ministre, au moment où vous procédez à l'inauguration de ce chef-d'œuvre, aucun mot
Aucune phrase ne saurait traduire dans sa plénitude le sentiment qu'éprouvent nos populations. C'est que le CHR du Mans est un outil sanitaire de pointe au regard des investissements réalisés, mais surtout du plateau technique adapté aux besoins des populations, comme a tenu à le relever le maître d'ouvrage, le ministre de la Santé, Pierre Demba. La construction d'un nouveau CHR était rendue nécessaire d'une part par l'exiguïté des services médico-techniques existants tels que la pharmacie, le laboratoire, la radiologie, la kinésithérapie, et d'autre part, par l'absence des services clés tels que les services des urgences, les services de gynéco-obstétrique et d'autres spécialités. À ces insuffisances d'ordre technique étaient associées les questions sécuritaires pour lesquelles une mise à niveau était fortement souhaitée. Ce joyau architectural qui se dresse devant vous est bâti sur une superficie d'environ 13 hectares et dispose d'une capacité de 110 lits pour un coût global de 7,6 milliards. Ce nouveau CHR comprend 15 services, que sont donc les services de consultation externe, les services de néphrologie. Le service de néphrologie du CHR de Mans, qui a la particularité d'être le plus équipé de Côte d'Ivoire, note de reconnaissance donc au chef de l'État. C'est l'expression de la gratitude des populations au président Alassane Ouattara, comme le relève le général Vagondo Diomandé, porte-parole des populations. Tout le Tonkpi vous dit merci. Je puis ici rassurer le président de la République. Au nom des populations, que nous ne ménagerons aucun effort pour la préservation de ce nouveau CHR. Excellence, monsieur le Premier ministre, comme un soleil nouveau qui se lève sur l'Ouest, cet hôpital vient comme un signe annonciateur pour soulager les maux dont souffre cette grande région. Ces maux ont pour nom problème d'infrastructure routière, problème de centre éducatif, problème d'emploi des jeunes, problème d'accès à l'eau potable, problème de voirie dans nos villes. Des populations du Grand Ouest ivoirien, dont le conseil régional et le district portent aussi les préoccupations au chef de l'État à travers la remise d'un livre blanc. Le message que Gloudadan Premier et tous les chefs nous ont confié de saluer le président de la République, de saluer l'homme qui est en train de nous aider à avoir un faciès de développement au niveau de cette région qui a tant souffert. Eh bien, aujourd'hui, vous nous livrez deux hôpitaux d'un plateau technique hors norme. Ceux qui ne viennent pas à Mans pour entrer ici, si on leur montre des images, vont peut-être penser que nous sommes en Europe, y compris l'hôpital de Danané. Faire du Mans un pôle sanitaire de premier plan, le message du Premier ministre Patrick Hachi est celui du maintien du pacte de confiance entre le Tonkpi et le président de la République, Alassane Ouattara. Chère population, chers cadres, chers frères, oui, vous avez eu raison. Vous avez eu raison de faire confiance au président de la République. Vous avez raison de préférer à toute autre aventure les progrès immenses de notre Côte d'Ivoire, nos routes, nos hôpitaux, notre électricité, notre eau potable, notre pétrole, nos énergies, nos écoles, nos universités, notre agriculture, notre industrie, nos ports, nos emplois, nos réseaux de télécoms, nos villes. Oui, tout cela, bien sûr. Beaucoup de projets encore à mener et beaucoup de progrès encore à gagner. Mais vous avez eu raison d'appartenir à cette Côte d'Ivoire qui sait qu'elle est sur le bon chemin, le seul, le vrai, celui de l'avenir. Donc oui, vous avez eu raison, chère population, de faire le choix de l'union et de l'engagement pour votre pays en soutenant avec conviction l'action du président de la République et de son gouvernement, qui veulent laisser aux générations futures un pays toujours plus prospère et plus solidaire. C'est sur ces mots de confiance, de mobilisation et de rassemblement que je voudrais vous dire encore une fois de plus à tous, merci. En marge de l'inauguration du CHR, les centres du premier contact de la région n'ont pas été oubliés en termes d'équipement. Les districts sanitaires de Mans et de Biankouma ont reçu des ambulances, dont du gouvernement ivoirien. Les signes du développement se ressentent de plus en plus à l'intérieur du pays. Après Boaké et Grand Bassam, c'est au tour de Yamoussoukro de recevoir la société du transport abidjanais, Soutra, une trentaine de bus flambant neufs en circulation dans la ville. Le lancement officiel des 6 lignes de bus a eu lieu ce vendredi, coût de l'investissement environ 4 milliards de francs CFA.
Dangui Dangui. Des bus flambant neufs de la société de transport abidjanaise Sotra dans les rues de Yamoussoukro. Le paysage urbain de la capitale politique de la Côte d'Ivoire change. La vie des populations et surtout des élèves et étudiants aussi. Déjà, c'est sécurisant par rapport au taxi. Et là, tu sais où tu descends. Je suis au lycée Miss. Il habite à Djurabougou. Il marche des kilomètres. Mais grâce à Sotra, on va essayer d'arranger ça. Alors, je dis merci, grand merci à Sotra. À la cérémonie de lancement officiel des lignes de bus de la Sotra à Yamoussoukro, les populations sorties, nombreuses, ont été invitées à prendre ces bus sous leur protection. Chers élèves et étudiants, fonctionnaires, agents de l'État, vaillante population de Yamoussoukro, je voudrais ici vous inviter à prendre soin des autobus que l'État met à votre disposition à travers la Sotra. Nous sommes aujourd'hui en train de gagner le pari, de faire en sorte que les villes secondaires soient des villes accueillantes, soient des villes attrayantes. Le développement de nos villes secondaires est une réalité. L'arrivée de la Sotra Yamoussoukro, après Boaké et Grand Bassam, s'inscrit dans une vision du gouvernement pour les villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, selon le Premier ministre. La vision du président de la République, c'est celle de tous les pays développés. Avoir une capitale, certes, économique, une capitale certes politique, mais des capitales à l'intérieur qui sont des foyers de croissance, qui sont des foyers d'emploi, qui sont des foyers de développement parce qu'ils permettent à tous ceux qui veulent y vivre et investir d'accéder à tous les biens, les nécessités et le confort de vie. La Sotra arrive à Yamoussoukro avec une trentaine de bus affectés à 6 lignes et 12 terminus, pour un investissement d'environ 4 milliards de francs CFA. Un pas de plus dans le processus de transfert de la capitale politique à Yamoussoukro. Une bonne nouvelle pour l'organisation de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire, selon les autorités. Les travaux du quatrième pont au niveau de l'Indénier et de la Y4 ne sont pas encore achevés. Ils devraient pourtant prendre fin ce mois. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier sur ces différents chantiers donne des avertissements. Amédée Kouakou a également donné un délai supplémentaire de 6 mois. C'est ce que nous apprend Lansiné Bakayoko. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, fortement préoccupé par le retard pris dans l'exécution des chantiers du 4e pont et de la sortie S de la Y4. Sur le 4e pont, le taux de réalisation est d'un peu plus de 60%. Inacceptable selon Amédée Kouakou. Le fait qu'on ne puisse pas livrer cet ouvrage en fin d'année va encore contribuer à la souffrance des Ivoiriens qui sont obligés de passer tous par la route du Banco là-bas, hein, au niveau de GESCO. Donc nous ne sommes pas contents, nous avons demandé à l'entreprise que dans les 3 mois qui viennent, il faut qu'on constate qu'il y ait une évolution vraiment positive. Vraiment positive, sinon nous allons être dans l'obligation de prendre des sanctions. Au niveau de la Y4, malgré les efforts déployés par le gouvernement pour assurer le suivi régulier du projet, le tronçon Aniama-Ndotré piétine. Les entreprises avaient pris des engagements, mais malheureusement, on se rend compte que les travaux n'avancent pas comme il se doit. Normalement, à la fin de ce mois, on devait avoir terminé la sortie Est. 6 mois, pas plus, accordés aux entreprises pour livrer les ouvrages. Injonction du ministre Amédée Kouakou. Actuellement, vous voyez tous les embouteillages qu'il y a, c'est plus acceptable. Donc il faut que nous allions rapidement. Nous sommes venus, nous avons parlé aux entreprises de prendre toutes les dispositions pour que dans les 3 mois qui viennent, vraiment, on puisse passer à des taux de 80-90%, de sorte que d'ici maximum 6 mois, le projet soit entièrement terminé. Ces ouvrages qui tiennent à cœur le président Alassane Ouattara devrait contribuer à améliorer la mobilité dans la ville d'Abidjan, notamment en prévision de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2024. Tout comme un cadeau de Noël, c'est le soulagement pour 2500 ménages à Atékoubé. Ils ont désormais accès à l'eau potable. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Boaké Fofana, a procédé ce matin au raccordement. Les frais d'abonnement s'élèvent à 10 000 francs CFA au lieu de 167 000. Grâce Kando. Fini les difficultés d'approvisionnement en eau potable et les branchements anarchiques de compteurs d'eau.
2500 ménages issus de 5 sous-quartiers de la commune d'Atékoubé viennent de bénéficier de branchements sociaux. Ce que le ministre vient de faire, je suis très contente. Mais on a un problème pour avoir l'eau. On nous fait payer banabana. C'est comme si j'ai un cadeau de Noël même aujourd'hui, moi et ma famille. Aujourd'hui, chacun va avoir son côté. On est content. Une initiative qui rencontre l'adhésion des autorités communales. Nous sommes très heureux de lui dire merci. Je voulais dire merci au président de la République de Côte d'Ivoire, son excellent Alassane Ouattara, qui est notre PNOS. L'action s'inscrit dans le cadre du projet d'amélioration des performances techniques et financières du secteur de l'eau APTF et vise à régler dans les 4 prochaines années la question de la desserte en eau potable des sous-quartiers. Le gouvernement, dans le cadre du programme social, a décidé d'offrir des branchements, je dirais, hyper subventionnés à 2500 personnes. Et ces branchements, au lieu de 167 000 francs, les populations paieront seulement 10 000 francs. Cela veut dire que le gouvernement fait un don ou une subvention de 157 000 francs pour chaque personne abonnée dans le cadre de ce programme. Et c'est la phase 2. Il a commencé depuis quelque temps et nous allons progressivement rendre l'accès à l'eau potable le plus facile possible aux populations les plus vulnérables. L'accès de tous à l'eau potable, une vision du gouvernement, c'est pourquoi le projet APTF vise 155 sous-quartiers du Grand Abidjan. Coronavirus, on en vient au point de la situation. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 23 décembre 2022 13 nouveaux cas de COVID-19, 2 guéris et 0 décès. À la date du 23 décembre 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 87 932 cas confirmés, dont 87 078 personnes guéries, 830 décès et 24 cas actifs. Le 22 décembre 2022, 12 899 doses de vaccins ont été administrées. Hommage au chef de l'État Alassane Ouattara, la région des Grands Ponts se mobilise. Lors d'un point presse, le ministre gouverneur du district des Lagunes a livré les motifs de cet événement. Vincent Loès-Oble lance un appel à la mobilisation de tous les peuples des régions du district des Lagunes. Propos recueillis par Charles Tatou. Dabou, l'espoir rennais depuis l'avènement du chef de l'État Alassane Ouattara, dont les actions de développement n'épargnent pas cette localité. Vu les travaux avancés de la construction de l'autoroute de la Côtière qui traversera Dabou et Grand-Laou. Émerveillé par cette infrastructure routière qui impulsera certainement un développement accéléré aux deux localités, les élus et cadres des Grands Ponts s'activent pour l'organisation d'une grande cérémonie d'hommage au président de la République. Il est normal que lorsqu'on vous fait du bien, qu'à un moment donné, vous puissiez dire merci à celui qui vous a fait du bien. Le président Alassane Ouattara est un fils de la région. Quand il s'agit de l'intérêt général de la région, nous devons nous mettre tous ensemble. C'est une opération républicaine, donc c'est l'ensemble des populations de la région des Grands Ponts que nous invitons à s'associer à cette initiative. Le district autonome des Lagunes est composé des régions de l'Amé, l'Agnébi-Tiassa et des Grands Ponts. Cette cérémonie sera donc une occasion de retrouvailles des peuples de ces trois régions. Dans le reste de l'actualité, en France, 3 personnes ont été tuées par balles et 3 autres blessées ce vendredi 23 décembre à la mi-journée dans le centre de Paris par un homme de nationalité française connu pour 2 précédentes tentative d'homicide qui a été interpellé et placé en garde à vue. Les faits se sont produits rue d'Anzien, dans le 10e arrondissement de la capitale, au niveau d'un centre culturel kurde, dans un quartier commerçant prisé par la communauté kurde. Point final, excellente nuit à vous tous, sous la protection du Très-Haut. Bonsoir.